Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing, voilà. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est unboxing de la boutique Mes Petits Diams, voilà. Et pour changer, c'est un perso, voilà. Donc j'en avais parlé avec Coralie et Coralie avait décidé de me l'envoyer pour que je puisse montrer également comment ça se passe les persos sur sa boutique et que je puisse montrer également la qualité comme d'habitude de ses kits. Voilà, donc j'ai jamais fait de perso chez Coralie, donc c'est mon tout premier. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas déballé. J'ai juste ouvert le carton, j'ai regardé. Parce qu'en plus, j'ai reçu ça ce matin. Et sur le coup, je me disais, mince, j'entends rien. mon étonnement, je vais vous dire pourquoi. Parce que on en avait parlé toutes les deux avec Coralie le 11 août. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 août. Donc ça fait 15 jours, tout juste. Et donc, j'ai déjà reçu le perso, voilà. Bien sûr, c'est pas elle qui les fabrique, là, hein. Elle n'a pas la machine pour, vous comprendrez bien. Par contre, c'est elle qui... Lorsque vous avez besoin d'un perso, vous lui envoyez la photo de ce que vous voulez. Et elle peut vous corriger la photo, par exemple si elle n'est pas bien cadrée, vous voulez qu'elle soit un peu plus que la photo soit un peu plus belle, voilà, elle vous corrige la photo. Elle peut également pour le kit vous rajouter du texte. Je vais donner un exemple, hein. Vous faites une photo de mariage. De votre mariage, vous voulez qu'il y ait la date dessus, elle vous rajoute, donc sur le kit, il y aura la date, vous allez pouvoir perler la date de votre mariage sur le kit. Sur les enfants, vous voulez mettre les prénoms, elle va rajouter, donc sur la photo que vous allez lui envoyer, elle va rajouter les prénoms des enfants. Vous voulez que la photo, il y ait un cadre. Par exemple, autour, elle va rajouter un cadre, voilà. Elle va personnaliser votre photo avant de l'envoyer à la fabrication. Donc, il y a plein de possibilités lorsque vous lui envoyez votre photo pour faire un personnalisé. Donc, ça, c'est des choses que vous voyez avec elle en direct. Donc, soit par email. Donc, dans le site internet, à la rubrique personnalisé, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a son email, donc vous pouvez correspondre avec elle pour les persos directement avec son email ou alors avec sa page Facebook. Donc pareil, je vous remets en barre d'infos le lien de sa page Facebook. Voilà, donc tout ça vous voyez avec elle, donc en privé, pour optimiser, voilà, pas facile à dire le matin. au mieux votre kit personnalisé, voilà. Donc elle peut faire tout ce que vous voulez, voilà. Donc moi ça a été facile, la photo est restée simple, parce que vous allez voir, ça faisait un moment que je voulais faire ce kit. Et puis bon, j'avais déjà demandé, hein, il y a longtemps sur AliExpress, tout ça, mais bon, ça, j'avais pas donné suite. Ça... Et puis, j'avais peur de la qualité, justement, et surtout pour un personnalisé. Je voulais quand même que ce soit top. Et d'ailleurs, il y en aura un autre personnalisé plus tard, et là, ce sera sur mon mariage. Donc, maintenant, je sais que le prochain, ce sera à Coralie que je le demanderai, parce qu'il sera top. Voilà. Donc, j'arrête de blablater. Et on va découvrir, donc, ce kit. Alors, je vais juste vous basculer un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, attendez. Ah, j'arrive pas à vous desserrer. Voilà. Donc...
Bien sûr, ça arrive dans un carton. Je l'ai reçu dans un emballage. Hein. L'emballage, je l'ai retiré. Alors, d'abord, on reçoit le petit kit. Donc, avec un plateau XXL. Voilà, le grand plateau. La glu, hein, comme d'habitude. Le petit stylet transparent pailleté avec la petite mousse bleue. Donc, avec d'un côté, ben, comme d'habitude, hein, pour une perle. De l'autre côté, pour 5 perles. Et il y a le petit rajout pour 10 perles. Voilà, que vous remettez ici à la place de celui-là. Et la petite pince qui va bien. Hein, donc, c'est la même que la... Hop, c'est la même que la noire, hein, celle-là, sauf qu'elle est en doré. Voilà. J'aime bien en doré, elle est super belle. Voilà, j'en avais déjà eu une comme ça. Mais j'adore ces pinces. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez en premier avec le kit. Ensuite, hop, je vais sortir. Donc moi, je l'ai demandé en perles carrées. Donc, c'est un 40 sur 40. Alors, je vous cache d'abord la photo. Voilà. Donc, c'est un 40 sur 40. Et j'ai 40 couleurs. Voilà. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Donc, je vous montre les couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de gris. Et la photo, la voici. Alors, hop. Et oui, c'est Fifille. C'est la photo de ma Fifille. Le portrait, alors que c'est même pas elle entière, c'est vraiment son portrait. Voilà. Alors, je vais déballer, donc c'est bien emballé, hein, dans du plastique. Désolée pour le bruit. Je vais y aller en douceur pour pas abîmer le kit. Hein. Ce serait ballot. Poubelle. Là, j'ai un petit scotch. Alors, le bout du scotch, il est où? Je vais le couper là. Voilà. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est un 40-40, donc c'est pas un très grand, mais ça, là, ça me suffit. Donc, j'ai été emballé dans un tube de mousse, ça, je garde. Ça peut toujours servir. Alors, je vais vous rebaisser un petit peu, peut-être. Voilà, je pense que là, vous verrez bien. Non, encore un peu, hein. Oh, bah alors. Et... Voilà. Là, ça va. Désolée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais il fait pas beau aujourd'hui. Alors, la protection est faite avec des bandes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 bandes. Voilà. Et la toile est estampillée au nom de la boutique. Mes petits diams, voilà, ici. Comme d'habitude, c'est super bien imprimé, il n'y a aucun souci. La colle, il y a de la colle. Alors, je vais d'abord... Voilà, pour qu'elle soit bien plate.
Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, vous faites déjà ça quand vous recevez votre kit pour qu'il se remette bien à plat. Et là, vous voyez, il n'y a aucune rivière. Il est vraiment nickel de chez nickel. Il n'y a strictement rien. Alors, bien remettre, hein, je ne fasse pas de bêtises. Pas remis celui-là bien droit. Voilà. Donc derrière, on voit de toute façon qu'il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Et je vais vous montrer donc. Voilà. L'impression. J'espère que c'est pas flou. Donc là, moi, je vais avoir beaucoup de gris, hein, c'est normal, Fifi est grise. Voilà. Et donc, ici, j'ai donc toutes mes couleurs. Donc d'abord avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, hein, jusqu'à 40. Là, les petits symboles correspondants. Ici, j'ai la référence DMC de chaque couleur. Voilà. Et ici, j'ai la quantité de perles. Voilà. La dernière colonne, c'est la quantité de perles qu'il y aura pour le kit. Bon, là, par exemple, le numéro 7, je n'ai que 3 perles à mettre. par contre, est-ce que j'ai du 310? Non! J'ai pas de noir. Youpi! Je n'ai pas de noir. Bon, pourtant, il y a une petite partie foncée, mais ce n'est pas du noir. Voilà. Donc, je n'ai pas de 310. Super. Donc, voilà. Donc, la qualité est top, comme d'habitude. J'ai rien à dire. Le papier n'est pas effiloché, n'est bien coupé, est super bien imprimé. Là, du coup, le fait d'avoir les 4 bandes, ben, ça va être pratique. Parce que, bon, moi, je commence toujours par le haut. Hein, donc, ma partie en bas sera bien protégée. Voilà. De toute façon, moi, comme je vous ai déjà expliqué, je n'arrache pas mes papiers. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'avant-dernière vidéo de Betty Book, je crois. J'arrache pas mes papiers. Quand j'aurai fait cette partie-là, par exemple, je remets mon papier pour la poussière. Alors, maintenant, pour les perles. Désolée pour le bruit. En plus, on m'a livré de très bonne heure ce matin. J'étais étonnée. À 8h30 ce matin, je suis purée. Et puis moi, quand le facteur vient me livrer, alors j'aime bien parce qu'il sonne et il frappe en même temps. Donc, il réveille tout le quartier. Alors, ce sont des... Alors, voilà la couleur dominante, puisque c'est le plus gros sachet. Hein? Donc, on voit bien que Fifi est grise. Alors, sur les sachets, voilà. Donc, j'ai bien le numéro, hein, le 5. J'ai la référence DMC et j'ai le nombre de perles qu'il y a dans le sachet. Voilà. J'ai pas de feuille de route, mais moi, je m'en fous. Alors, la feuille de route, j'en ai rien à cirer. Le principal, c'est que je l'ai là sur le côté. Si je ne l'aurais pas, bon, ben là, d'accord, j'aurais besoin d'une feuille de route. Mais tant que j'ai tous les éléments ici, même si je n'ai pas les quantités, je m'en contrefiche. Moi, la feuille de route, de toute façon, je m'en... Hein, je vais dire un gros mot, mais je m'en bats le coquillard. Voilà. De toute façon, ça, le fait de savoir que, par exemple, là, par exemple, le 30-42, j'ai 1653 perles. Oui, bah, je suis contente, mais bon,
Voilà, ça n'en dira pas plus, hein. Donc ça, je m'en fiche. Voilà, bon là, par exemple, ça c'est un où il n'y aura pas beaucoup de perles à mettre, hein. Donc c'est le B52 200, ben, c'est le blanc ça, ouais, B52 200, donc j'ai 58 perles, voilà. Normalement, il y en a 58, ils m'en ont mis 68, vous voyez, bon. Après, bon, c'est beaucoup, beaucoup des gris, hein. Vous voyez, là, 38, 26, c'est encore un autre gris, vous voyez. Donc, sinon, les perles, voilà, leur qualité, comme d'habitude, elle est nickel. Il n'y a pas de poussière. Bon, il n'y a aucune poussière dans les sachets. Bon, les gros, gros sachets, c'est plus compliqué à voir, mais je vois pas de poussière non plus, de toute façon. Je ne vois pas, à première vue comme ça, je ne vois pas de perles cassées, parce que ça arrive, hein, il y a des déchets de perles cassées. Ou... Mais là, je vous laisse regarder, en espérant que ça ne flotte pas, parce que là, j'ai du mal à voir, moi, le retour, puisque le téléphone est baissé. Voilà. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup de gris. Là, j'ai un, c'est un bleu marine, ça. Voilà. Après, j'ai un, c'est un parme. Voilà. Donc, vraiment, aucun déchet. Non, je peux regarder n'importe quel sachet. J'ai aucun déchet dedans. Et toutes les perles ont l'air bien taillées. Donc, non, de toute façon, la qualité chez Coralie, dans sa boutique, hein, mes petits gammes, ça, est toujours au top. Hein. J'ai jamais eu de problème chez elle. Vous voyez, encore un autre gris. Bon, Fifi est grise, hein, j'y peux rien. Hein. Ma Fifi est grise, elle est toute grise. Voilà, encore une autre sorte de blanc. Et... Voilà. Donc, niveau des perles, c'est top, comme d'habitude. Niveau d'impression, bon, maintenant, je verrai en le faisant, mais je sais que je n'aurai pas de problème. Hein. Le résultat va donner la photo de Fifi hein, sans problème, puisque de toute façon, Coralie, pareil, vous envoie avant de vous faire passer la commande, quand vous lui donnez la photo, elle vous envoie d'abord le résultat fait par l'ordinateur, le résultat que ça va vous donner sur le kit une fois fait. Voilà, donc avec tous les petits carrés, vous recevez donc le résultat que ça vous donne. Donc je sais que je savais à l'avance qu'il n'y aurait pas de problème. Donc maintenant j'aurais plus qu'à faire ma fifille. Bon, elle ne va pas être faite tout de suite, puisque là il faut que je termine d'abord le grand d'épée. Je vous remonte parce que là ça m'embête de ne pas vous voir. Comme si je vous voyais. Coucou. Oui, je ne vais pas le faire tout de suite là dans la semaine. Parce que, comme vous savez, j'ai un grand épée en route, et puis là, bon, la Betty Boo va être finie, là, normalement, aujourd'hui ou demain. Après, j'ai un autre épée à mettre en route. Et dès que j'ai fini le grand, par contre, j'attaquerai ma fifille. Voilà. Donc, je vais mettre le turbo sur le grand pour pouvoir vite, vite, vite faire ma fifille. Voilà. Donc, ben, aucun souci. Bah niveau prix, par contre, je ne peux pas vous le dire bah, là parce que je ne sais pas le prix. Mais bon, de toute façon, c'est pareil. Hein, vous demandez à Coralie, elle vous donne le prix d'abord. Hein. C'est pas énorme hein, ces prix. Donc, c'est pas un gros souci non plus. Alors, je vous rappelle, pour celles qui n'ont encore jamais commandé sur la boutique Mes Petits Diams,
Je vous remets également en barre d'infos un code promo qui vous... Donc, c'est merci Didith en majuscule. Hein, de toute façon, je vous le remets en barre d'infos. Qui vous amène moins 10% sur votre première commande. Voilà. Et je vous remets donc le lien de la boutique, le lien pour arriver directement sur les demandes de, sur les commandes de perso. Voilà. Je vous remets le lien de sa page Facebook également. Voilà, comme ça, vous n'avez pas d'excuses pour dire « Je ne trouve pas la boutique, je ne trouve pas Coralie. » Vous avez tout en bas. Voilà. Eh bien, moi, je suis contente. Voilà. J'ai ma fifille. Alors, après, ma fifille, j'ai dit, il faudra que je fasse un beau portrait de Pacha et un beau portrait de Géry. Voilà. Comme ça, j'aurai mes trois. Mes trois poliches. Bon, ils auront un petit peu de toilettage avant, hein, parce que là, ils sont un peu ébouriffés pour l'instant. Et là, bon, dès qu'ils auront été au toilettage, clic, clic. Une petite photo. Oui, je suis un peu folle ce matin. Je suis un peu énervée. C'est le vent, ça. Allez, je vous laisse. En tout cas, moi, 20 sur 20 pour l'instant sur le kit. Même après, hein, je sais que je continuerai à dire 20 sur 20 pour les kits à Coralie. Et là, comme je vous disais, c'est le premier perso et pas déçu du tout pour l'instant. Même après, je ne serai pas déçue. Une fois qu'il sera fait. Allez, je vous laisse. Je vous fais à tous des énormes bisous. Coralie, encore un plus gros pour toi. Encore merci pour ce kit. Et je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.